Bonjour Stéphane Guivarc'h. Bonjour Théo. Bienvenue à Guy Piriou. Pour le temps n'est pas avec nous aujourd'hui, mais ça n'empêche pas une petite interview. C'est pas grave. Allez, on y va. Merci d'accorder cet entretien à Radio Saint-Vincent. Alors on se retrouve aujourd'hui dans un cadre exceptionnel puisque nous sommes dans le Finistère, au stade Guy Piriou de Concarneau, votre ville natale. Alors pour vous mettre à l'aise dès le début, un de vos anciens coéquipiers de France 98 vous a laissé un petit message par nous. Je vous en dis pas plus, regardez. Salut Théo, salut Stéphane. Je voulais vous passer le petit bonjour du Pays Basque. Voilà, on est pas mal ici. J'espère que tout va bien. Stéphane en particulier, ça fait un moment que je t'ai pas vu. J'espère que très rapidement on organisera un match avec France 98, partager un petit repas. J'espère que tout va bien pour toi. Je crois que tu es basé en Bretagne. La côte ouest de la France est la plus belle. Hein, on a fait le bon choix. Et je t'embrasse très très fort. Allez, salut, bye. Très sympa, Bixente. Ouais, il est sympa. À l'image de ce qu'il fait, ce qu'il réalise. Ouais, très très sympa. Il évoque la Bretagne. À l'issue de votre carrière, vous êtes revenu en Bretagne. Elle évoque quoi pour vous cette région? Je savais que je serais revenu, mais peut-être pas aussitôt. Tout simplement, c'est que moi, il me restait 2 années de contrat à Auxerre. Je me suis rapproché pour revenir sur Guingamp parce que j'ai ma mère qui était très malade, donc je voulais la voir. Et à l'arrêt de ma carrière, ma mère décède, donc du coup, mon père s'est retrouvé tout seul. Et puis les aléas de la vie ont fait que je suis resté là. Voilà, parce que j'ai toute ma famille qui est ancrée, j'ai mon frère et ma soeur qui sont sur Tréguin, donc à 5 km d'ici, donc et puis je me sens bien. Alors on vous connaît évidemment pour votre carrière, mais également pour votre reconversion professionnelle, puisque aujourd'hui vous êtes commercial, vous vendez des piscines avec un ami. Elle vient d'où cette idée, Stéphane, à l'issue de votre carrière? Mon ami, il est plombier à la base, donc, et puis comme je construisais ma maison, il était autour du ballon d'eau chaude, et puis comme il venait de créer la structure piscine, il me dit, je vais chercher un commercial, et puis moi à ce moment-là je faisais rien, et puis je dis, je vais te donner un coup de main pour démarrer l'aventure avec toi, et puis du coup ça fait 15 ans que je suis avec lui. D'accord. Et ça fonctionne super bien. Ah, super. Meilleur buteur de l'histoire de l'En Avant Guingamp. Oui. Meilleur buteur en D1 avec le Stade Rennais lors de la saison 96-97. Oui. Et attention, 74 buts en 151 matchs avec Auxerre. Stéphane, on peut dire que vous aviez complètement la panoplie d'un buteur, non? J'ai évolué dans toutes les divisions. J'ai commencé à Brest toute ma formation et malheureusement, quand je signe pro, il y a la liquidation. Derrière, je vais sur Guingamp, ça se passe super bien. Au bout de 3 saisons et demie, on fait 2 montées consécutives du National en Ligue 1. Et puis après, je suis parti à Auxerre. Donc non, je pense qu'il y a eu l'étape de Rennes aussi. Donc ce qui m'a permis à Rennes de m'épanouir parce qu'à Auxerre, j'avais plus un rôle de remplaçant au départ. Je m'étais blessé en début de saison et Lasland, il jouait très très bien. Donc je n'ai pas réussi à récupérer ma place. C'est pour ça que je voulais un prêt. Au départ, ça aurait dû se faire à Bordeaux, pour être clair, et j'ai atterri à Rennes. Donc c'est sur le retour, c'est René Ruello, un très bon président qui m'a fait bien rire aussi, parce que j'ai une belle anecdote là-dessus, c'est qu'il me dit, t'es le premier breton à arriver, on va faire un recrutement exclusivement breton. Donc il m'a ramené 2 Écossais, un Norvégien, un Danois, donc il y avait tout, mais sauf les bretons. Mais j'ai passé une année superbe, mais offensivement, il était très très fort avec Pierre-Yves André et puis Sylvain Wiltord, même si on a galéré un peu, parce qu'on prenait un peu trop de buts. Elle était comment cette expérience à Rennes? Très, très très bien, moi c'était surtout la relance et puis moi je me rappellerai toujours qu'il y a un spectateur le premier jour, le premier entraînement que j'avais participé à Rennes, il me dit il va peut-être falloir faire oublier Marco Grassi. Oh, il m'a mis une petite pression sur les épaules mais bon je pense que sur la saison ça s'est bien passé. Justement à l'issue de votre fantastique saison avec Auxerre, donc vous gagnez il me semble l'Intertoto, c'est bien ça? Oui c'est ça. Ouais. Donc Aimé Jacquet vous convoque pour la Coupe du Monde 98, ça vous a fait quoi d'être convoqué aux côtés de joueurs comme Zinedine Zidane, Patrick Vieira ou encore Laurent Blanc? J'ai un parcours un peu atypique, c'est vrai que c'est pas forcément comme Thierry Henry ou Trezeguet qui eux sont formés à Monaco et puis ils franchissent les paliers un par un. Moi j'ai connu le National, j'ai connu la Ligue 2, j'ai connu la Ligue 1 et je pense que même si j'ai pas été sélectionné en la première saison avec Rennes où je termine meilleur buteur, il a fallu que je retourne à Auxerre parce que Aimé Jacquet, lui ce qu'il cherchait avant tout c'est un peu le rôle de Giroud qu'il a aujourd'hui, c'est un attaquant de pointe. Mais à Rennes, je me baladais un petit peu sur le front d'attaque, à droite, à gauche. Et lui, c'est plus un joueur axial qu'il voulait. Donc c'est pour ça, à Auxerre, forcément, il y avait 2 joueurs de couloir. Donc je me cantonnais à un rôle d'avant-centre. Très bien. En parlant de Laurent Blanc, il a une petite question à vous poser. Ouais. Je vous la montre tout de suite. Bonjour, monsieur Stéphane Guivarc'h de Tréguin, le Breton. Écoute, ça me fait bien plaisir de causer avec toi. Et donc, moi, j'ai une petite question. Et j'aimerais savoir le nombre de buts que tu as marqué. Voilà, j'espère que tout va bien. Bonjour à la famille et au plaisir de se revoir sur un terrain de football en France, au Qatar, où tu veux. Salut, salut Didier. Sympa. Nombre de buts, je crois que ça avoisine les 180. 180 ouais. Alors j'ai la réponse, c'est 193 buts. Ouais. en 382 matchs, ce qui est énorme. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ah, mais il a manqué un but. Il a manqué un but. Il a manqué un but dans la carrière quand même. Quel but? En Coupe du Monde. Coupe du Monde. C'est là qu'il a manqué. Pourtant, il y a eu deux occasions en finale. Deux occasions. Je démarre mal aussi parce que je me blesse d'entrée. Après, il a fallu faire les efforts pour revenir. C'est compliqué. On se retrouve une grosse préparation. Et puis, j'ai souffert tout au long de la compétition. Après, je suis revenu parce que c'est la Coupe du Monde. Mais la logique, oui, que j'arrête la compétition à ce moment-là. C'est encore une frustration pour vous aujourd'hui? Frustration, non, parce que j'ai donné le meilleur de moi-même. Après, je suis le joueur à avoir joué le plus aussi en club. Avec plus l'équipe de France, et je crois que ça avoisine les 72 matchs dans la saison, donc c'est un peu beaucoup. L'organisme, il a terriblement souffert. Donc après la Coupe du Monde, vous partez à Newcastle, puis à Glasgow. Oui. Des années pas évidentes. Après, on ne maîtrise pas tout. Tout simplement, c'est que moi, je suis recruté avec Dadlich. Il joue au bout de deux matchs, il est licencié. Donc, il y a Ruud Gullit qui arrive, l'entraîneur néerlandais. Et après, tous les joueurs que Dadlich a fait venir, il nous a mis au placard. Donc après, c'est difficile. On pourrait être bon sur le terrain, même à l'entraînement. D'ailleurs, on ne s'entraînait plus avec eux, avec les pros. Donc ça, c'est une situation très compliquée à vivre. Mm. Mais bon, après, c'est des choix. Après, il ne faut pas les regretter, parce que le jeu anglais, je trouvais qu'il correspondait mieux à mon image. Mm-hmm. Et puis après, malheureusement, ça s'est mal boutiqué. À Glasgow, ça ne s'est pas si mal boutiqué que ça. On a gagné la Coupe de la Ligue. Après, je lui marquais 6-7 fois au championnat. Mais ma décision, je l'ai prise un peu trop vite, je trouve. Glasgow, c'est pas un championnat très intéressant, hein, parce qu'on joue les Celtic, forcément, qui est une belle équipe, très belle équipe. Mais le reste, après, c'est un peu plus compliqué. J'ai entendu une anecdote comme quoi, durant ces années, en Angleterre, durant votre péripétie, le PSG voulait vous recruter. C'est vrai, ça? Après, on peut le dévoiler. C'est qu'avant d'aller à Newcastle, j'ai rencontré Bétry, qui était président de Paris à l'époque. Donc moi, mon année de transfert, il restait un an. Donc avec Auxerre, Giroud avait estimé à 35 millions de francs à l'époque, l'année. Et puis on s'est vu dans un hôtel parisien et Bétry me dit non, j'ai pas d'argent. Après, s'il n'y a pas d'argent, donc je suis reparti. Sauf qu'il a pris au Cocha 15 jours après à 100 millions. Donc il y a un peu d'argent dans les caisses quand même. Et puis après, donc je vais à Newcastle, je joue pas beaucoup, ou même très peu, ou voire pas du tout. Et il s'est remanifesté, mais il voulait toujours pas payer. Il voulait un prêt. Et Newcastle voulait pas de prêt. Donc c'est pour ça que je suis parti à Glasgow, mais je pense que j'aurais dû terminer mes 6 mois comme ça à Newcastle et essayer de retrouver un club plus pérenne. Est-ce qu'aujourd'hui le monde du football, il vous manque, Stéphane? Bah, ça manque forcément, parce qu'on est passionné. Même maintenant, il y a les médias, il y a toutes les chaînes télé qui diffusent tous les matchs, donc on se tient informé quand même. Mais c'est vrai que quand on y a goûté, quand on a baigné dedans toute une carrière, ça manque. Même si aujourd'hui, je suis toujours dans le monde amateur, qui est super prenant aussi. Mais bon, c'est différent. Vous êtes toujours un grand passionné de foot? Ouais, moi j'adore ça. Après, j'adore les matchs, j'adore me tenir informé de ce qui se passe à droite, à gauche. Mais c'est vrai que quand on aime ça, comme je l'ai dit, c'est une passion. Parlons actualité. Nous sommes à 2 semaines de l'Euro. Oui. Vous avez pensé quoi de la liste de Didier Deschamps? Bah, je pense qu'elle est juste, elle est correcte. Je pense que, après, Karim, pour évoquer Karim, je pense qu'il a payé assez cher ce qu'il a fait comme bêtise. Maintenant, il ne faut pas rester campé sur des positions. Et je pense que Didier, il a eu le parfait raisonnement en le prenant dans son groupe de 26. Parce que je pense que c'est un joueur hyper important, c'est un joueur hyper talentueux. Et je pense que certainement qu'on aura besoin de lui aussi. Donc maintenant, chacun met un peu d'eau dans son vin et puis qu'on essaye tous d'avancer et puis de gagner cet Euro. On a des chances de le gagner cet Euro? Bien sûr qu'on a des chances. On a des joueurs talentueux. Il y a devant, c'est énorme. Il y a Giroud, Benzema, Mbappé, Griezmann. C'est très fort. Maintenant, il faut trouver le juste équilibre tactiquement pour Didier. Mais je pense qu'à 15 jours de l'Euro, je pense qu'il sait où il met les pieds. On espère faire comme en 98, avec la continuité de l'Euro 2000. Ça serait super. Ça serait bien. Et puis, ça serait la récompense pour les joueurs aussi. Et puis, Didier, à tout ce qu'il touche, il gagne. Donc, comme ça, on est bien. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane Guivarc'h. Juste avant de finir, on a un petit cadeau pour vous. Ah. Le maillot de la saison 2020-2021 du Stade Rennais, floqué numéro 7. Ah, votre numéro. Super. Stéphane Guivarc'h. C'est super gentil. Vous. Voilà, je vous le remets. C'est gentil. Merci beaucoup, Stéphane Guivarc'h. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Que du bonheur. Que du bonheur. Que du bonheur. Voilà. Tout se passe bien, on vieillit aussi, c'est pas simple les jours non plus, mais bon. Non, mais tout. Après, il y a le boulot, il y a la vie privée, mais moi je me sens très bien en breton, donc comme disait Laurent, on joue à la Bretagne. Bah, écoutez, merci beaucoup, Stéphane Guivarc'h, d'avoir accepté l'entretien. Merci à Clément, merci à Erwan Ferrezou et merci à Hermeline pour la technique. Très belle soirée à tous.